Les légumes. Nous allons voir ici les légumes. Ici, vegetables. Right, vegetables. Nous allons voir du début à la fin l'ensemble des légumes les plus utilisés, les plus mangés. En anglais comme en français. Alright. Du début à la fin, nous allons voir les légumes les plus utilisés en cuisine. Mais avant tout, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright, good. C'est parti. Artichaut. Comment diriez-vous artichaut? Artichaut. Alright, vegetables. Donc, artichaut, nous allons dire artichoke. Artichoke. Asperge. Asperge, ça va donner asparagus. Asparagus. Comment diriez-vous? Légumes. Légumes, ça va donner eggplant. Comment diriez-vous? Avocat. Avocat en anglais donne avocado. Avocado. Bête. La bête donne ici chard. Chard. Et comment dit-on betterave? En anglais, ça va donner yes. Beetroot. Beetroot. N'hésitez pas, partagez la vidéo, likez la vidéo, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Comment traduiriez-vous brocoli en anglais? Brocoli, ça donne broccoli. Broccoli. Carotte. Carotte. Carrot. Carrot. Céleri. La céleri. Céleri va donner en anglais celery. Celery. Champignon. Comment diriez-vous champignon? Champignon. Un champignon, pardon, se dit mushroom. Mushroom. Les choux. Ici, chou. Chou, en anglais, va donner cabbage. Cabbage. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles, nous allons dire Brussels sprout. Brussels sprout. Vous voyez? Brussels sprout. Nous passons à la liste suivante. Mais comme toujours, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Here we go. Chou-fleur. Chou-fleur. Chou-fleur nous donne cauliflower. Cauliflower. La citrouille. La citrouille nous donne ici pumpkin. Pumpkin. Concombre. Concombre. On dit ici cucumber. Cucumber. La courge. La courge. La courge en anglais donne squash. 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 La courgette. Les courgettes. Les courgettes. En anglais, on dit zucchini. Zucchini. Les cressons. Les cressons. Nous allons dire watercress. Watercress. Alright? Good. On passe à la liste suivante. Mais comme toujours, n'oubliez pas, likez et partagez. Ici, nous allons voir les échalotes. Échalotes, ça va donner shallot. Shallot. Ensuite, nous avons les endives. Endives donne en anglais endive. Endive. Les épinards. Les épinards. Épinards donne spinach. Alright, spinach.
les fenouilles. Fenouil, vous allez dire fennel, fennel, fennel. Haricot, haricot vert ici. En anglais, haricot donne bean, bean. Igname, igname. Nous avons yam, yam. Nous continuons la liste. Et si nous commençons par la laitue, en anglais, ça va donner lettuce, lettuce. All right, lettuce. Maïs, le maïs. Ça donne ici maïs donne corn, corn. Les navets donnent en anglais. Ici, les navets donnent turnip, turnip. All right, turnip. Oignon, oignon. L'oignon, ça va donner onion. Les panais. Panais donne ici parsnip, parsnip. La patate, patate douce, pardon. La patate douce. La patate douce donne sweet potato, sweet potato. Nous continuons notre liste avec les pâtissons. Pâtisson, en anglais, ça va donner paripan squash. Paripan squash. Les persils. Nous allons passer aux persils. Les persils vont nous donner, ici en anglais, parsley. Parsley. Le poireau. Poireau, en anglais. All right. Poireau va nous donner the leek, the leek, le poireau. Pois, petit pois, ça va donner ici the pea, le poivron. En anglais, le poivron donne bell pepper. Et pour finir, la pomme de terre. Ici, la pomme de terre nous donne potato, potato. Le potiron, on continue la liste avec le potiron. Potiron, nous avons dit tout à l'heure, squash, squash. Le radis, en anglais, ça donne radish, radish. Rutabaga, le rutabaga. Rutabaga donne en anglais, rutabaga, rutabaga, all right? Salsifis, salsifis. Donne en anglais, salsifis, salsifis en anglais, ça va donner salsifis. Topinambour, les topinambours. Topinambour en anglais, ça donne Jerusalem artichoke, Jerusalem artichoke. Les aneths, aneths, aneths donne en anglais, dill, dill, aneth. All right, good. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous, likez pour nous encourager, pour nous montrer que vous aimez, que vous attendez qu'on vous donne le maximum de contenu en ligne. All right? Here we go. On continue la liste avec les aubergines qu'on a déjà vues. On va réviser un peu. Pour ceux qui ont suivi, aubergines, nous avions dit yes. Eggplant. La blette, pour ceux qui ont suivi aussi, nous avons dit yes. Swiss chard, mais nous avions dit chard tout simplement. On peut rajouter swiss. Céleri rave, ça va donner en anglais celeriac, celeriac, alright, celeriac. Le chicorée, chicorée. Et ces chicorées, nous avons en anglais chicory. Chicory. Nous passons à chou frisé. Chou frisé, une petite erreur qui a été corrigée, rectifiée. Chou frisé. Ça va donner en anglais. Kale. Et pour finir, le chou rave. Ici, ça va donner kohlrabi. Kohlrabi. Les ciboules. Ciboules, ici, nous continuons la liste avec ciboules qui donne ici
scallion, haricot vert que nous avons déjà vu, green bean, on peut aussi dire bean, mais green bean, ok, to be more specific, pour être plus précis, le maïs sucré, maïs tout simplement, sweet corn, corn c'est le maïs, sweet c'est le côté sucré, oignon blanc, white onion, l'ail qui nous donne ici, the garlic, et la nette qu'on a déjà vue, dill. Pour finir, nous allons voir rapidement le tomato, qui est fruits et légumes en même temps, truffle, les truffes, et this bambara granite peut être aussi arachide ici, arachide bambara, ou wadzu, wasabi ici, wasabi, zizani, water culture. Cerfeuil ici, ça va être dans les chevaux, cerfeuil. Chenepod, kinepod. Ici nous avons crones. Les cressons, les fontaines. Watercress. Alright. Les fenugrecs, qui va donner ici fenugrec. Les lentilles, lentil. Et pour finir, nous allons voir le taro, les carottes, le piment, the chili, l'arachide, the peanut. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo à venir, aucun contenu. Merci d'avance et surtout, n'oubliez pas, remerciez-nous en likant la vidéo pour juste nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne.